Sans nul doute, il y a un document qui a plus besoin mais qui est plus important, c'est passeport. Je vous dis à demander un service juste avant de rentrer dans la vidéo à tout entier. Partagez la vidéo ça avec tout le monde pour connaître le Brésil. Partagez sur page Facebook parce que peut-être vous pouvez faire un Brésil capable de jouer une information que vous pouvez partager. Qui s'allie? Si vous avez renouvelé le passeport pendant le Brésil, sans que vous ne sortiez la carrière pour aller dans l'autre ville, pour régler ça. Ça veut dire que vous êtes la carrière seulement, vous avez les affaires et bien vous avez le passeport ou la carrière. Ce n'est pas important, pas vrai. Mais juste avant de vous aider à demander un service, mes amis, cliquez sur le nom de votre marque Jean-Albert Meyen et pour tomber sur page ça, cliquez sur like, photo et petit bouton ça et là. C'est vraiment utile, nous ça vraiment montrer que la vidéo est importante pour vous et puis tout, pour encourager nous pour nous apporter plus de vidéos pour vous, plus d'informations pour vous. On allait venir directement dans le sujet qui c'est comment renouveler le passeport soit vivre Brésil. Le passeport sont pièces qui importantes. Juste avant nous arriver plus loin toujours, nous voulons remercier chaque monde qui est dans partager vidéo ça et si votre fait ça fait ça qu'on mes amis pour pouvoir utiliser un monde pour pouvoir apporter information ça pour vous. Mais nous voulons remercier tout chaque monde qui prend du temps pour capable garder vidéo ça jusqu'à la fin. N'oubliez si vous avez besoin de plus d'informations de nous ou bien si vous avez besoin d'entrer en contact avec nous, entrez sur Instagram marqué Jean-Albert96 ou envoyez un message pour nous, là on va répondre nous plus rapide. Ou bien quittez un commentaire pour nous en bas de la vidéo. On est là dans la vidéo. Qui sont besoin pour renouveler le passeport? Premièrement, on a besoin de scanner le passeport. Pour nous entendre, on va pas demander pour scanner le passeport. Tu peux juste demander pour envoyer une lettre dans l'email ou qui a passé là. Mais je vous dis à vous demander pour scanner, vous pouvez scanner le passeport. Après ça, vous pouvez scanner le papier carré. Soit un contrat de location, ça nous est un contrat et photo loué carré là. Ou bien tout, il y a une déclaration de résidence. Les gens mettent et où tel monde, etc. Moi, loué carré ça avec tel monde. Vous n'avez qu'ils n'ont pas le fait. Vous pouvez écrire un email, vous pouvez saluer normalement comme si c'était une lettre à vous et pour vous. Et pour envoyer deux emails, documents, passeport, l'offre scanner, ou envoyer le bamounio, ensemble avec le contrat de location, ça, ou sur scanner, ou envoyer le bamounio en format PDF. Pourquoi faire ça sur téléphone? Il y a une pile d'applications qu'on peut utiliser pour scanner passeport, ou bien contrat de location, ou bien déclaration de résidence à commune. Il y a plus d'applications qui peuvent scanner, il y a plus d'autres toujours que par mail le site non yo, ou même vous pouvez aller sur Google Play Store, vous télécharger, vous marquer scanner, vous télécharger une, ça fait plus à l'aise pour vous à faire. Vous voyez deux bagages à en annexe, après vous pouvez écrire en l'air, si au cas où, vous ne pas apparaître bien par en bas, surtout simple, là, c'est vraiment important. Vous pouvez écrire bonjour, bonsoir, comment vous êtes, et moi je voulais renouveler passeport moi. Non. Tel bagaille, prénom, tel bagaille, date de naissance, tel bagaille, numéro passeport, tel bagaille, bien que tout poil dans l'annexe là, oui, mais quand même, ça ne va pas déranger sous météo dans les corps lettres que vous avez écrit. Après, on va mettre l'adresse ou l'adresse complète, on va mettre le nom ou il y a, on va mettre le numéro carré là, si vous avez un appartement, etc., on va mettre le numéro appartement, on va mettre dans qui ville ou il y a, et puis dans qui état. Après ça, on va mettre CEP ou il y a, on va mettre là-dedans, on va mettre 7, 2 points, et on va mettre numéro il y a normalement. Après ça, vous pouvez aller dans l'email, ça va passer à là. Lorsqu'on fait ça, après un ou deux semaines, vous pouvez aller dans le numéro ça qui est affiché dans l'écran. Numéro ça, c'est pour l'ambassade d'aller. Il n'est pas facile pour accéder avec. Mais relez plusieurs fois, relez dans le matin, pas oublier sur les amis du bas venu, sur la ligne du bas venu, relez vers 11h ou bien vers 2h dans l'après-midi. On va ça. Donc, je vais essayer de les et puis dire que vous avez un email pour vous pour renouveler le passeport. Après ça, il faut vérifier pour vous. Il y a un email pour vérifier pour vous si vous recevez. Après, il finit faire ça. Après ça, il y a un est-ce que vous recevez ou bien pas. Si vous avez un jour de dire pour vous, dans une semaine encore, relayez. Après ça, vous formulez ou la carte. Ensemble, mes amis, remplissez le formulaire très bien. Sinon, vous avez tourné le barou. Lorsque vous remplissez, vous pouvez aller dans le Coeros. Vous voyez. Toutes les informations dans le formulaire. Toutes les informations besoin. Pour nous payer, on va payer 570 reais pour faire le passeport. Après, on va payer 90 reais, moi je crois encore, 90 reais pour les frais pour les os. Lorsqu'on fait ça, on va envoyer l'aller et puis on va demander les 90 jours, mais qui ne comptent pas respecter, comme nous avons avec sincérité. Dès les 90 jours, qui ne comptent pas respecter, on va payer fin voyer. Après ça, on va attendre pour envoyer le passeport ça va dans l'adresse. Mais fais sûr que pour ne pas changer d'adresse, tout autant passeport pour qu'on vienne. Parce que si vous portez passeport à vous, pas jouer nous, c'est vraiment difficile pour qu'on ait pour ajouter un passeport. Vous avez même besoin pour aller juste au Brésil pour aller.
Si vous avez plus d'informations, mes amis, écrivez-moi, relayez-moi, disons, dans le numéro qui affiche en bas écran pour pouvoir ouvrir l'ambassade là directement. Nous faisons ça pour aider vous, ou même tout partager pour aider l'autre monde qui brise. C'était un plaisir. À la prochaine pour l'autre vidéo. N'oubliez pas de vous lien là, mes amis, pour pouvoir joindre et ni email là, ni numéro de téléphone là. Vous pouvez joindre lien tout pour contacter nous sur YouTube. Là, vous pouvez joindre une pile vidéo qui va utiliser nous sur toutes les informations que vous avez besoin. À la prochaine pour l'autre vidéo. Que bon Dieu bénisse, n'oubliez pas de vous préparer dans mon cours de tout Christ.